Ouais, Moi, bien j'ai ma sûr. première voiture, la première voiture qu'on m'a faite cadeau. Donc, ça fait à peu près C'est donc quoi 40 ans que je l'ai. l'intérêt de ton Non, mais ça vaut cher intervention? ou pas? Une Patrick, bagnole quoi? comme ça, ben, Quel est l'intérêt de ton je veux savoir, intervention? je m'intéresse à l'émission, ton émission de merde, là, qu'on ne sait pas qui c'est qui nous appelle, qui c'est qui nous dit et tout ça. Moi, je suis venu parce que. Tu l'as piqué ou ça, la voiture, au départ? Non, la bagnole, c'est une vraie bagnole. T'en as fait d'autres, mais je peux parler avec Pierre Belmar. Tu l'as piqué ou la Je peux parler avec Pierre Belmar. Nous sommes au même club. Tu crois que t'es pas vu, moi, la télé? Nous sommes au même club, des gens qui ont les mêmes initiales. Pierre Belmar, Patrick Bosso, nous sommes plusieurs comme ça. Berne, Buffet, il n'y a que des B, voilà, c'est ça. Il y a Patrick Bruel, il y a Papy Brossard, nous sommes plusieurs. Il faut dire, excusez-moi, et c'est Papy Burlington, il y en a plein. Et dès que tu parles, Patrick, pardon, mais dès que tu parles, ça retombe. Mais non, c'est bien, vas-y. Les gens décrochent avec Pierre Belmar. Les gens croient qu'il est gentil, il insulte tout le monde parce que, alors comme ça, il se permet, il dit mais je vous insulte parce que je suis gentil. Mais en vérité, il est comme ça dans la vie, il faut le dire aux gens. Oui, bien sûr. Non, ça déconne, c'est un connard. Non, mais c'est vrai. Le dire. C'est une vraie salope. Là, les gens qui sont sur le plateau viennent d'être témoins de comment, parce que c'est T'as très mal vécu ma relation avec ta maman. Mais ta gueule. Non, mais voilà, je te le dis. Parle pas de ma mère. Pierre et moi, ça parle pas de ma mère, mais ta gueule. Parce que c'est une vraie histoire. Parle pas de ma mère. Et l'idée qu'on te fasse un petit frère te gêne. Mais non, malade, toi. Non, on va partir. Oh, ta gueule, toi, Gilbert. Mort pour la France, il fallait pas qu'ils disent ça. Ouais, arrête. Vive la France. Intéresse-toi à nous au lieu de la technologie. Tu as des artistes vivants sur le plateau, pose leur vivant, des questions. Vivant. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Excuse-moi, tu peux leur dire où vous jouez, alors c'est bien, comment vous êtes arrivé là. Mais j'avais envie de m'intéresser à toi. Quel est votre parcours? Mais j'arrive pas. Est-ce que c'est dur en ce moment? Voilà, alors, tout ça. Quel est ton parcours? Des vraies questions, pas des trucs, des conneries. Allez, mort pour la France. Et pas comme ça. Non. Mais attends, tu as des âmes vivantes autour de toi. D'où te vient cette aigreur? T'as raté ta carrière. J'ai pas raté ma carrière. T'as raté ta vie. C'est ma vie, voilà. Et ma carrière est à l'intérieur. Génital, mais ça, le voilà. Grand public ne voilà. Sait pas. Mais ta gueule. Mettez-toi. Alors vas-y, intéresse-toi à nous, voilà. Dis-nous un peu si on va bien. Alors, tout, on est des Patrick, artistes, on est fragiles. Parle-moi de ta sexualité, Patrick. Mais tu veux... Ma sexualité? Tu veux faire une émission de 8 heures ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma vie, où j'en suis? Je sais pas, je vis mal la cinquantaine qui approche, tu vois. Je vois comme t'es devenu, toi. Et je me dis, voilà, j'ai cet exemple ça sous les yeux. Ça me fait peur. Je me dis, oulala, est-ce que moi aussi je vais avoir besoin de machines? Est-ce que je vais être obligé d'être entouré de gens comme ça, quoi, tu vois, qui me disent que je suis drôle et tout ça? Est-ce que je vais savoir me renouveler? Est-ce que je vais avoir une vie J'ai une sorte d'épouvantail pour toi. C'est ça. Je te vois demain et ça me fait peur. Et je sais qu'à un moment donné, je te voyais derrière.